tout va bien, depuis le matin on est en tête. Et voilà, tout va bien, on n'a pas eu de chaleur, rien, pas de soucis. Et on va essayer de continuer les deux derniers spéciaux comme ça. Tout va bien. Tout va bien, aucun souci. Donc voilà, croisons les doigts que ça continue comme ça, encore deux spéciaux. On te revoit à Ypres après. Ça, on verra. Pour le moment, le budget n'est pas encore bouclé, donc ça c'est pas encore sûr. Pas mal, le départ est pas facile. On a fait deux grandes erreurs et on a perdu 15 secondes, mais maintenant c'est mieux et le rythme est bon, mais le niveau est très haut de tous les candidats et ouais, j'aime comme ça. Et on trouve Ypres ? Oui, je roule à Ypres. Bon, c'est encore longtemps, mais premier ici et un bon rallye, ça c'est le plus important. Maintenant. Bah, on était venu ici dans le but de prendre des kilomètres un peu sur la terre, comme on n'a pas d'expérience, donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça a plutôt pas mal passé pour nous. On était troisième toute la course, puis on est passé deuxième. Et là, on a fait une petite erreur dans l'avant-dernière spéciale où on perd pas mal de temps. Du coup, on est repassé troisième, mais il n'y a plus que 3 dixièmes d'écart. Donc ça va se jouer vraiment dans les deux dernières spéciales maintenant. On va tout donner pour essayer de récupérer cette deuxième place. Mal, on a fait quelques bons temps. Voilà, la première boucle c'était un peu délicat, il a fallu le temps de se mettre un peu dedans, freinage sur la terre, etc. C'était un peu, on découvre ça chaque année dans la première boucle, et puis je fais un tout droit ici dans la dernière, je perds 4-5 secondes, mais bon, voilà, soit. On a fait quelques bons temps, on s'est amélioré, on a travaillé sur la voiture, et ça c'est important. C'était bien jusqu'à temps qu'on crève, évidemment. Donc malheureusement, on a perdu 30 secondes et ça a suffi pour passer de la deuxième à la sixième place. Bon voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Surtout que c'est une petite faute que je paye cher, mais ça fait partie du rallye, c'est comme ça. Et bon, on va continuer à rouler, on verra ce qui se passe. Non, pas Ypres. Ypres, ce sera mon joker, enfin le rallye quand je ne fais pas. Donc théoriquement, ce sera l'Omloop. Bah écoute, très mauvais début de course, on a fait deux tout droits dans les deux premières spéciales, donc on a perdu 30 secondes. Et puis après, on a mieux roulé, maintenant on connaît pas très bien le terrain par rapport à certains autres pilotes, donc on a perdu un peu de temps et voilà, mais bon, la deuxième boucle était pas mal. Enfin, on a fait des bons temps. Donc là, on est sixième, un peu esselé. On va voir s'il pleut. Donc, bon, course moyenne dans l'ensemble, mais bon, rallye nouveau pour moi, pas évident. Ça va où après ? Je viens pas à Ypres, mais donc je serai là à l'Omloop et East Belgium Condro. Donc les trois derniers. Tout se passe très bien pour nous, c'est un
rallye pas évident parce qu'on combine l'asphalte et la terre. Et la voiture n'est pas spécialement préparée pour la terre. Mais on a bien fait ça jusqu'à présent. On est devant avec une avance confortable de 40 secondes, quelque chose comme ça. Donc maintenant, il n'y a plus que deux spéciales et on va gérer pour gagner. Ça se passait pas trop mal, on roulait bien, on apprenait toujours un peu la Porsche, surtout sur ces portions terre qui ne sont vraiment pas évidentes. La Porsche est beaucoup plus large que les autres R5, donc on est souvent hors des traces, donc c'est vraiment pas facile pour nous. Mais voilà, on s'amusait très bien, on faisait des bons chronos, tout se passait bien jusqu'à cette dernière spéciale où on a eu les gaz qui sont restés bloqués à fond. On a eu beaucoup de chance, on a réussi à... J'ai mis la voiture au frein à main en glissant de les arbres. On s'en sort très bien, donc voilà, on est content. Pas de bosse sur l'auto, mais on a préféré en rester là. Parce que si ça recommençait, ça pourrait peut-être mal se passer. Tu pars avec ta Bravo après ? East Belgium, c'est sûr, et peut-être l'Omloop avant, mais ça, on verra, ça dépend un peu des budgets.